Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo avec le site GBFKE. Ce sera une vidéo point de croix. J'ai choisi un point de croix et diamant painting. J'ai pris 3 toiles de DP. Ce sera pas du DP partiel, ce sera du DP complet. Et ce sont des nouveautés que j'ai vues sur le site. Je trouve ça tout mignon. Alors du coup, j'en ai pris 3 parce que je les adore. Et ce sont des toiles qui sont pas trop grandes. On va regarder ça ensemble. Au niveau de la commande, j'ai passé ma commande le 10 mars et elle est arrivée le 22. En Colissimo, ça a été vraiment très rapide. Alors, on va commencer par le diamant painting. On va regarder ces jolies toiles que j'ai choisies. Alors, ce sont des nouveautés que je n'avais pas encore vues. Ce sont des toiles qui font 30 par 30. Ce ne sont pas des DP partiels, ce sont des DP complets. Et voilà, ce sont des chouettes. Elles sont trop jolies. Je les adore. Je vous mettrai une petite photo à chaque fois, comme ça vous verrez. Comme d'habitude, on a le toolkit. Et puis, les diamants. Alors, il y a beaucoup de blanc parce que le fond de la toile est à diamanter et tout est blanc. Voilà. Alors, les couleurs. On a du rouge, du rose, du vert. Enfin, de très jolies couleurs. Comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est quand même quelque chose qui est très coloré. Elles sont toutes douces, ces petites chouettes. Elles sont vraiment très jolies. Vous voyez l'impression, elle est vraiment très bonne. On a 20 couleurs. Bon, au niveau de la colle, ça va. Bon, c'est une toile pailletée. Dommage, une fois qu'elle sera diamantée, on ne verra plus le pailleté. Mais je ne sais pas si vous allez voir là, mais ça brille. J'aime bien les toiles qui brillent. Voilà donc pour la première. Et ces toiles, elles sont au prix de 3,99€ chacune. Elles sont toutes au même prix. Hein. Alors ça, c'est la première. Je vais la laisser ici. Hop, je vais mettre ça en dessous pour être sûre de pas mélanger les couleurs. Ensuite, j'en ai choisi une deuxième. Alors, très jolie également. Avec des roses. Voilà, trop belle. J'adore. Vraiment très jolie. Celle-ci, elle a 22 couleurs. Alors, vous voyez l'impression qui est vraiment très nette. Hein. Pas de souci. Voilà. Au niveau de la colle, ça colle très bien. Alors, celle-ci, pareil, hein, le fond, il est blanc. Donc, il va falloir combler le fond entièrement. Mais bon, en général, je quadrille mes toiles assez rapide quand même. Voilà les couleurs. On a du rouge et du vert. Très jolie couleur bordeaux aussi. Du rose, orangé, du marron, et beaucoup de blanc. Voilà pour la deuxième. Je vais mettre ça ici pour pas les mélanger. Et la troisième. Il y en a tout plein de petites chouettes comme ça sur le site. Alors la voici. Elle est trop mignonne aussi. Elle tient un petit cœur. Voilà. Elle est jolie comme tout. Alors, je vous la montre de plus près. Vous voyez, les symboles sont vraiment très lisibles. Celle-ci, elle a également 22 couleurs. 30-30, j'aime bien les toiles 30-30, c'est pas trop long à faire. Voilà, et les diamants. Alors pour celle-ci, on a du rouge, du bleu, du mauve, beaucoup de blanc, bien sûr. Alors je vous sors pas les diamants, vous les voyez. Hein. Puis de toute façon, sur les photos, vous voyez à peu près les couleurs qu'on retrouve. Hein. Donc voilà pour ces 3 toiles qui sont chacune à 3,99€ sur le site GBFKE. Je vais vous les remontrer. La première, mignonne. Bon, bien sûr, à chaque fois, on a les toolkits, hein, je ne vous le dis plus. Voilà, la première. La deuxième. Et belle aussi, celle-ci. Et la troisième. Voilà pour ces jolies DP. Et on va terminer par le point de croix que j'ai choisi.
Et voilà, ce sont les fenêtres que je vous ai déjà montrées dans d'autres vidéos unboxing. Il ne me manquait plus que celle-ci. Vraiment très très jolie. On va la regarder ensemble. Alors c'est une toile qui fait 29 sur 29 cm en 14 CT. Elle se brode donc avec deux fils sur une toile Aïda 5-5. Alors on va regarder le motif d'un petit peu plus près. Comme ça, ben, j'ai les quatre. Je vous mettrai la photo avec les quatre toiles. Vous pouvez les trouver sur le site de GBFKE également, les quatre. Alors, on a une tasse, on a des petits gâteaux. Le vase transparent, on voit les tiges des fleurs. Avec des feuilles de cerisier, là, des branches de cerisier. Puis là derrière, on a du linge qui est en train de sécher. Elle est vraiment très très jolie aussi celle-ci. Le diagramme, ben, toujours très très, très très clair, très très net hein, pour ces grilles. Vous voyez, on voit très très bien l'impression, on voit très très bien les points arrière. Voilà, donc en deux parties, ça c'est le bas de la grille. Alors on a du point de croix et du point arrière pour cette toile. Et on a donc combien de couleurs? Alors les couleurs, elles sont où? Elles sont ici. On a 32 couleurs, visiblement. Alors, attendez, je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'on a 32 couleurs. Oui, c'est ça, 32. Très, très jolies couleurs. On va les regarder tout de suite, les fils. Moi, j'aime bien regarder les fils parce qu'il y en a toujours des très, très beaux. Alors, je vais enlever ça parce que c'est tenu avec une agrafe. J'aime bien enlever les agrafes quand c'est tenu comme ça. Voilà. Alors, les deux aiguilles qui sont toujours fournies. Et donc, les fils. Ici, on a une première partie, les 15 premiers. Hop, on va les regarder comme ça. Voilà. Alors, on a du rose, du vert, du marron, du bleu. De l'autre côté, on a beaucoup de blanc, beaucoup de vert. Très, très jolie couleur. Donc là, on en a 30. Et les deux dernières qui sont ici, c'est du marron et du bordeaux. Voilà. Maintenant, on va regarder la toile qui est imprimée. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vous disais, c'est une toile qui mesure 29 cm sur 29 cm. Très, très jolie. Je vous montre d'un petit peu plus près. Vous voyez, c'est très, très bien imprimé. Il n'y a pas trop de confettis. De toute façon, on peut s'aider assez facilement avec la grille. Vous voyez, je vais vous montrer à peu près ce que ça donne quand on brode. Si on a quelque chose qui n'est pas trop trop net, vous voyez, on peut très très vite retrouver, voilà, tout ce qui est en vert, visiblement, c'est du blanc. Voilà. Trop trop joli. Et cette toile, elle était au prix de 6,99 €. Donc cette petite vidéo pour le site GBFKE est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets en barre d'infos, bien sûr, le lien vers les articles que je viens de vous présenter. Voilà, dites-moi dans les commentaires ben, si vous aimez ce style de toile avec les petits hiboux. Là. En tout cas, moi, j'adore. Je vous souhaite une très, très bonne journée. On se retrouve très, très vite avec de nouvelles vidéos. Au revoir et à bientôt !